L'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, abritait ce jour la cérémonie officielle du lancement des activités du mois de la femme. Trois grands moments ont couronné cette manifestation riche en couleurs, placée sous le signe de la compassion avec les victimes de la guerre d'agression barbare nous imposée par le Rwanda voisin, sous couvert du M23. Dans son mot de bienvenue prononcé pour la circonstance, Madame Joyce Tunda Kazadi, maire adjointe de la ville de Lubumbashi, a eu des mots justes pour exprimer son vœu le plus ardent de voir les femmes et filles de l'Est de la République démocratique du Congo retrouver la paix pour construire ainsi ensemble notre riche et beau pays, la République démocratique du Congo. Au nom de la compassion d'avec nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, les mamans de Lubumbashi ont bravé la pluie jusqu'à la fin de la manifestation qui ouvre ainsi les activités du mois de la femme dans cette partie de la République par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfwa Kimimba. Le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale pour le droit de la femme. C'est une journée mondiale pour rendre hommage aux réussites obtenues par les femmes dans le domaine social, culturel, économique et politique. Mais également, un appel à agir pour renforcer l'égalité hommes et femmes et accélérer l'autonomisation de femmes. Contrairement aux années antérieures, cette journée est célébrée sous le signe de la compassion. Le thème national de cette année 2023 est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en République démocratique du Congo. Cette thématique s'articule autour de trois concepts clés, à savoir la paix, l'éducation et l'autonomisation. Et tout cela grâce au dynamisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Très chère maman,